Balandi ya Kongo Life Television na banzalelo ite o tokolobaka toujours mai ningana kapamba te soki mai ningani même misi ya monene wazali na se ya mai ya komituna e likambo nini ekozwa maana isika na biso awa pamba te lelo oyo situation ekoleka na kati ya République démocratique du Congo eko kolobi ko interroger ba Congolais belé ba Congolais ba komituna na kati ya situation politique ya mboka na biso na mboka na biso awa bayi politique ba komema mboka ndenge nini banani ba koloba bosolo banani ba kokosa peuple banani ba komema peuple na vérité banani ba komema peuple na libunga tokoyeba yango na émission na biso ya lelo parce que lelo oyo esengeli na ino na population congolaise mobimba o bazali ko jurer que na kimia pe na développement ya mboka komona ete mboka ezwa nzela na yango ya emergence komona ete mboka ezwa nzela na yango ya botombwa mi melelo oyo eina bayi politique oyo peut-être ba komema peuple na libunga oyo peut-être pe ba kokosa peuple melelo oyo tokoloba na peuple vérité tokoloba na peuple vérité et le mwana mwana mboka Charles wazali kati na biso awa pour que tomeka un peu ko partager ba situation yo se koloba e koloba mape koleka na kati ya République démocratique du Congo lelo wapi mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi président de la République akei bongo na ngambo ya Mbujimayi e pa yo apizala ki bongo jubilé ya évêque catholique mwana mboka Zuma loba alobi par rapport ya ba oyo ba koluka mobulu na kati ya mboka ete ya kosatake na bango sans que moto aloben aloba na eli kambwe ko uta conviction na ye moko personnel et ya mibale a kosatake na église catholique est-ce que lelo oyo ezali situation oyo ko arranger situation politique ya mboka na biso pene pene ya mapona mio tuzali deja kopusa na lelo oyo to kolobela lisusu situation ekoleka na kati ya bayi opposition ya mboka na biso meeting ya opposition kasi ba opposant bakolela acharnement na kati ya vie politique ya ba opposant lelo oyo est-ce que bako accuser Félix Antoine Tshisekedi na mwandambo ya dictature pe na mwandambo ya kopekisa makambo na ngambo pe bayi pe perdre bakolela lolenge kani ba perquisition ekosa ma bako mona yango lokola provocation et tout ça les manangambo ya PPRD et puis nangambo ya président honoré Joseph Kabila oyo alakaki na population ko s'adresser na ye et contenu nini et président de la République honoraire a ko pesa na ba kongomani nyonso to ko partager pe to ko débriefer yango na mona mboka oyo azali na kati na esika oyo to ko partager ni to ko kabola na ye ba sango nyonso pe to ko beta situation sécuritaire to komi wapi to ko kende wapi na partie est ya mboka na biso nyonso wana tokoyeba yango na émission na biso ya lelo oyo tozali na esengo ya koyemba mwana mboka Charles Kerr azali kati na biso awa na kotourne affectueusement e na kopesa ye merci na ndenge andimi invitation na biso na Congo Live Television pour que topanza pe topartage basango oyo ekoleka na kati ya République démocratique du Congo. Mwana mboka mbote na yo mbote na bandi ete lelo oyo ezali maike makambo to komona na kati ya République démocratique du Congo mais avant ya ko partager ba sujet o ekoleka na kati ya République démocratique du Congo to benga ka yango mo ba biscuit ni yo memeli population congolaise na mokolo ya lelo lelo nazana biscuité lelo biscuit ezalite ezalite voilà lelo biscuit ezalite c'est à dire que to kulubila makambo etali mboka pambate yango eko se eko sala lokola situation où la population congolaise a s'interrogé, les lois où mon amboka Charles Quin, ma émane sur les canards de la République démocratique du Congo, position à eux, ils ni et ni ne quoi interpeller la situation politique de la République démocratique du Congo. Bon, question à eux, ils a mon aîné, ils a c'est un peu vague. Dans la mesure où ba situation oyo ezali koleka na kati na mboka na biso ezali ebele nako banda na yo par exemple na Kinshasa awa tomoni insécurité eza makasi ko enlever batu chaque jour bakuluna
bakuluna batomboki makasi na bakomini ya ndenge na ndenge kuanleve batu kubotola ba batu ba biloko na bango bawe walelo bazo komona pasi mingi parce que il y a beaucoup de cas d'enlèvement na kati ya vila Kinshasa. Vous allez na kaya insécurité non loin de Kinshasa, mais non loin de la ville de Kinshasa, mais dans la province de Kinshasa, avec bah, Mobondo, vous allez na bah, situation oyo matata ponyo vous allez ko s'acharner sur bah, Tilokwebo, vous allez na bah, problème y a bah, embouteillage na kati ya ville de Kinshasa. Vous allez na problème na est. Bolimbisi, vous allez na problème na est ya Congo. Vous allez na ba situation ya ndenge na ndenge ya élection. Est-ce que élection est kozalate kozalate? Vous allez na ba problème, vous allez koleka. Il y a beaucoup de problèmes. Mais les lots où il y a toujours problème, nakati y a pas problème. Yo tuni avant que tu côté la thématique où il y a tous allait tout annoncer qui na bah téléspectateur ni on sort toujours. Na une problème, des situations y a moins d'emboka matata ponyo. Les lots où il y a feu où est coupé là, nakati y a Sénat comme on a appelé les sénateurs et les présidents du Sénat. Les présidents du Sénat où il y a livré sénateur. De l'autre côté, sénateur Pé Alobi a kei ko funda. Sénateur Alobi, c'est la première fois sénateur a ko funda Pé Azali ko zela justice équitable. Situation koleka entre Matata Ponyo na mona mboka Bahati Lokwebo e ko interpeller au niveau. Bon, jamais on ne peut pas dire que Bahati Lokwebo a livré. Ça, c'est un verbe. Oyo o utilisango na lo lenge mususu. Bahati a livré sa matata Ponyo te. Bahati a été saisi par le procureur général près et à cour de cassation et à travers réquisitoire au Salaki, de sorte que va mettre matata Ponyo à la disposition de la justice pour que justice et salamu sala na yango a fait que ba congolais ba yeba qu'est-ce qui s'est réellement passé na dossier ya Bokangalonzo lelo oyo matata ponyo kolela alobi ete levé à humilité na yeselema ki na affaire ya Zaïre réalisation mais lelo oyo dossier ya Bokangalonzo epusani et singila ki levé à humilité salema mais mona mboka Modeste Bahati Lokwebo alobi ete depuis ma tata pour les années na disposition à justice ngai nano na zwa rapport mon côté est-ce que ezali ko sala paradoxe te na bon, est-ce que si il m'est permis de vous poser une question ce qui va lever immunité na Eli Songolo dans un dossier et que na période moko wana batu mususu ba ye ko funda ye pona makambu mususu na mobeko nini na article nini ya mibeko ya mboka na biso oyo ezali koloba ke chaque affaire oyo ba ko fundela yango eli ezo mérité ko lever immunité eza na article nini eza na article ata moko te. Ça veut dire que ceux qui va lever immunité, il y a un élu dans une affaire et que Moutouana Azali pena ba makambu mususu batu bakoki ko profiter na lever immunité wana ou bien procureur ou bien batu mususu bakoki ko lever aussi longtemps que immunité ali wana esa recouvrer te bakoki ko saisir opportunité wana pona ko ko funda élu wana. Ça ne veut pas, je ne comprends pas pourquoi ma tête en peigne fait faire autant de confusion dans sa tête. Je ne sais pas, est-ce qu'il a des juristes ou il n'a pas des juristes? Mais aussi longtemps que justice paye un beau cannabis et sandi tout le bayango clair, ma tête a pogné trois fois. Mais encore une nouvelle fois, tout le pousse à peine à ma ponami. Est-ce que Dali Moyen a écarté mon beau cannabis dans le processus? Bon, je pense que ce sont des accusations faciles, quoi.
Je ne sais pas si toi-même qui poses la question, tu es vraiment convaincu que Matata Ponyo aujourd'hui candidat à Mboka Oye à Robinson. Matata Ponyo à Robinson. Est-ce que Matata Ponyo est capable de mobiliser 5000 personnes à Katia Kinshasa ou ne fût-ce que pour une marche? Soyons quand même sérieux. Est-ce que Matata peut débarquer à Lubumbashi, à Mbandaka, à Matadi, c'est pas moi, à Mbujimaï, à Kolwezi, mobiliser 10 000 personnes dans la rue pour faire une marche? Vous êtes vraiment sûr? Donc, ça veut dire ceci. Ça veut dire que nous ne pouvons pas nous laisser manipuler na ba discours ya ba politicien na lolenge wana. Matata Ponyo est poursuivi pour un dossier grave. Nous parlons de plus de 300 millions de dollars. Plus de 300 millions de dollars. On est quel pays? Ça, c'est quel pays comme ça? C'est quel pays comme ça? Mais... même pour 1 million de dollars, même pour 500 000 dollars. Mais il faut quand même qu'il vienne lui dire qu'il n'a pas, il a été un bon gestionnaire, qu'il a été l'un des meilleurs premiers ministres de l'histoire de ce pays. Il dit qu'il n'a rien fait de mal. Mais pourquoi Matata Ponyo? Pourquoi Matata Ponyo? Azo batama linko batama batama sima yaba procédure moko ezana na tina te. Parce que likambo wana ndeko, likambo ya Matata wana, Matata Ponyo esengeli ayeba très bien que dossier wana ekolanda ye eza pona intérêt na ye, eza pona oyebi ke opinion, l'opinion en général elingaka injustice te. Ça veut dire que pour ce Matata Ponyo, ce qui est le qui n'a dengue yamalam et que ba Congolais nyonso ba monete Matata Ponyo azali innocent et sa opinion yango mokonde ko lave Matata Ponyo. Mais c'était le lot initiative azui na ba Twitter abanda ko publier ka ba vidéo, monsieur Matata Ponyo, cela ne va pas vous innocenter. La seule façon ya ko lave honneur na yo et j'ai à quoi la justice. Parce que on peut tout dire de Kabila, mais qui peut condamner vraiment l'initiative wana, projet wana ya Kabila, ya kosa la ba parc agroalimentaire lokola o wana. Aujourd'hui toujours les aller na katia mboka oyo problème ya ba produit de première nécessité. Mais Kabila ya ba tout. Kabila ya batu toko kende pa et tozonge pa yi. Est-ce que nous pouvons condamner Kabila pour ça? Kabila a salaki malamu ya ke par kwana ezala ko e banda ko fournir Kinshasa pe ba produit oyo e kobima na bilanga ya bokangalozo mususu ba koki kotina na ba produit oyo na ba mboka mususu. Alors vous voyez quelqu'un comme ça? Il y a que le mauvais chef mwana mboka. Tango koloba mon amboka Joseph Kabila salaki musala malamu aussi longtemps que ba congolais ba sanza ki mon amboka Joseph Kabila, est-ce que makambo oyo auto ko réaliser sur terrain? Joseph Kabila était où pona ko beta loboko na table pona dossier Bukangalonzo? Joseph Kabila était où pona ko beta loboko na table pona contrat chinois oyo lelo oyo mbongo mosolo ebimi ebele bande ko lutendele ba kolela 19 millions ebimata 1 cm salimate mon amboka Joseph Kabila zalaki pour que a déploré to a décrié ba makambo nyonso ni ko salima au sein ya régime pe ya pouvoir na ye na lobby. Awa teke Kabila asalaki mosala malamu to mosala mabe na lobi ya motel. Mais na lobi précisément que na dossier ya lolenge wana, est-ce que initiative wana ezalaki mabe? Est-ce que projet wana ezalaki mabe? Ngana sa na émission ezali pona ko débattre sur bilan gestion ya Kabila, bilan ya Kabila pendant 18 ans. Donc au fond la kaka brèche. Si vous voulez qu'on parle, ça veut dire qu'on va mélanger les tout quoi. Parce qu'il y a beaucoup d'autres sujets, on va mélanger les tout. Donc bilan ya Kabila globalement est malamouté. Globalement. Mais nous ne pouvons pas ignorer Makambo Kabila ça là, on ne peut pas ignorer ça. Il a fait des choses. Quelqu'un ne peut pas quand même passer 18 ans au pouvoir sans rien faire. Ils allaient rater. Comment il peut passer 18 ans sans rien faire? Projet à Bukangalon Zouana, est-ce qu'ils allaient projet Mabé? Parmi mes reproches, au plus, continuer à faire ça dans Kabila, dans le régime, c'était
entre autres, impunité. Impunité dans la Guinée-Makasi. Kabila a sera confiance dans Matata Mponyo. Et Batumnaï Moussou Sebele. Mais, projet Wana. Et c'est un projet Moko Yamalam. Bissonion s'auto-applaudit. Ça qui est un bon. Mais justice Yambo Kanabiso est corrigé toujours. Moi, dans Moka Matata Mponyo. Lelo Oyo, nouvellement poursuivi la justice. Lelo Oyo, procureur près la Cour et la Constitution. Et M. Makolo, l'obi était bah élément pe bah élément ici qui est monani. Nous sommes là bah élément ici qui est monani. Ils allient bongo bah fraude, bah surfacturation. Bah Makambo Bélé Bélé, ils allent qui cité dans quatre il y a grève. Il y a grève plutôt, il y a SICA. Mais est-ce que le Oyo, Matata Ponyo, qui fonde la modeste bâti au Kobo la justice, Matata Ponyo a raison? Bon, Isa, c'est vraiment de la vaste blague, quoi. C'est de la plaisanterie, Isa. A récusé aussi, procureur près la Cour constitutionnelle, M. Makolo. Bon, il a le droit de récuser qui qu'il veut, hein. Il a le droit de récuser qui il veut. Ça, c'est un droit qui lui est reconnu. Voilà, on a le droit, voilà. Nata yondingo zaboyo ko koma na parquet ou bien na tribunal songolo olobi ke na sepeli na juge wana te pona makambo songolo pakala. Na il faut ko yeba ke ba juge ba magistrat ndenge bazawana et bazaw ba corps, c'est un corps hein. Ceux qui ont requisé l'un de leurs pour des motifs fantaisistes ne croient pas que ba oyo ba bango sala musala charge au place moko que non, toi, monsieur, toi, tu as raison, on te laisse faire. Donc, ils allaient comité là. On est dans la distraction. Ma tata est dans la distraction. Avant que tout. Il est dans la diversion. Donc, ayez très bien que. Tu as une plainte. Au moins, il y a un mot à wapi. Moutou, vous allez attaquer justice. Vous allez incriminer justice. Voilà. Et puis, il faut que la même justice soit là. Donc, il croit que, je ne sais pas comment ce monsieur-là est conseillé, hein? Lui croit qu'il peut intimider les magistrats en tenant de tels propos. Le magistrat n'a pas de problème à la lobby, non. Awande totala na nso yisa ako intimider mututé matata ponyo lobi ako intimider mututé matata ponyo lobi clairement na place publique biso tozala ki wana alobi était Modeste Bahati Lukwebo était refusé dans son gouvernement. Modeste Bahati Lukwebo azalaki bien accueilli dans le gouvernement naye à cause ya mauvaise gestion. Matata ponyo avait protégé Modeste Bahati Lukwebo bengaki Lelo Oyo, Modeste Bahati Lukwebo, Azali président du Sénat, Matata Ponyo sénateur, Modeste Bahati Lukwebo sacrifie Matata Ponyo en profit, il y a complot, il y a sali, na procureur près la Cour constitutionnelle. Lelo Wana Manobanyo Swana, et quoi interpeller, il y a un mot qui était lancé à Matata Ponyo. Bon, oui, mais que je ne sais pas si Matata Aza Ayokaka, Ayokelaka, va conseiller en communication. Mais ma tête s'est tiré une balle dans les pieds. Comment toi, l'homme qui se fait passer pour un homme rigoureux, un gestionnaire exemplaire, l'un des meilleurs premiers ministres que le Congo a connu, et puis aujourd'hui se dévoiler devant tout le monde que pendant le temps où il y a un pouvoir, au banda qui ko bomba ba acte il y a mégestion, il y a ba corruption, il y a ba détournement. Donc au banda qui ko protéger ba antivaleur oyo ba moko ba membre ba certains membres ya gouvernement na banda ko sala. Vous voyez un bon gestionnaire faire une telle déclaration, vous voyez un homme vraiment réfléchi mutu wa dans le cerveau na est vraiment en place, vous le voyez faire une telle communication contre lui-même. Comment tu peux te faire passer pour un homme rigoureux, un gestionnaire modèle, exemplaire, et puis aujourd'hui qu'on l'obana batuke, na tango yonga na zala kiwana, na banda ki ko protéger batumususu oyo, ba banda ko gérer malamuti. Vous comprenez un peu aujourd'hui qu'apprenant raisonnement wana, donc ça veut dire que makambu oyo matata nyonso alobaka wana izalo kuta. Mais nous savons très bien que Monsieur Modeste Bahati, depuis la deuxième République où il a travaillé avec Mobutu, il n'a jamais, j'ai dit alors jamais, été reproché dans sa gestion. Jamais au cours d'un dossier Mokoboye, ceux qui ont obéi, c'est l'angoisse. Oyo,
ba condamna ba Modeste Bahati soit pour la corruption soit pour le détournement exacté. C'est un homme ndengo yoka komone Modeste wana, c'est vraiment un homme modeste parmi ba acteurs politiques exemplaires au tana bango na mboka oyo. À sala politique jamais au côté de la koyoka mata Modeste Bahati qu'il a été cité atana ba rapport nyonso yoka o ba expert ya IGF jamais jamais na ba ta nyonso oyo Bahati Lukwebo a travaillé et ça na Mobutu et ça na Kabila. Est-ce que yo ça na dossier moko oyo yo anta na ajoza na ngo oyo oyo yo ka keno na lo, na tangu Modeste Bahati ka ministre ya économie ou bien na tangu azala ki ministre a travail ou bien na tangu a commis président ya Sénat et bon ainsi de suite a détourné mbongo jamais jamais au contraire ko yo kango. Mais on a attendu beaucoup de choses sur ma tête en pognon. Est-ce qu'il y a eu dossier à bancarisation? Est-ce qu'il y a eu combien? Parce que Ngaï Nassali Bamboula Ebele, en tant que journaliste parlementaire, je connais combien de questions, de motions, de sciences, et c'est là qui a initié contre ma tête en pognon, notamment par ma député local, Boujan Bodemayo, Clément Kankou. Combien de fois? Combien de fois? Donc, mais heureusement que à l'époque, Kabila a lingaka matata mponyo. Parce que ce qui est à la kata, pour la pépère de taux et majorité MP à l'époque, matata allait sauter depuis très longtemps. Pourquoi? À cause de la gestion. Il y a beaucoup de projets initiés par Matietan et matata mponyo. Est-ce que Oyebi, même si aujourd'hui matata mponyo a 70 ans, on a ni Congo Airways, est-ce que Oyebi que. Avion oya ya bilokos oya kenda kosombela ba congolais avion lokola a noiri tenenga petana le tout premier vol le vol inaugural oyo avion wana esala et kenda kokanga manativu kuna le vol inaugural avion oyo on nous avait vanté ici ba avion ya sika tout ça mais vol ya liboso oyo avion wana esala et kenda kokanga manativu na bandi ma tata vraiment aujourd'hui ce qui vraiment azana mawayabana naye ce qui a lingi pena image naye ezala lave qu'il se mette à la disposition de la justice. Pourquoi la azoya ko s'acharner sur Bahati Lukwebo? Bahati azana problème naye mo na eta na bandi ke nende liboso ya justice Bahati Lukwebo ke matata nous dise mon colonie depuis balongola immunité naye est-ce que il y a une plénière il y a Sénat Oyo Basangana, est-ce qu'il y a une commission au Sénat est en place pour na kozongisa immunité na matata d'ampoigne? Est-ce que l'immunité est automatiquement ce qui yo ke na justice dossier na yo et ça en cours et puis tu commences à dire pourquoi? Alors moi je vais poser la question à matata d'ampoigne. Pour na nini matata d'ampoigne a comment ba lettre ebele na adresse ba lettre adressée na président Bahati pour demander à ce que Bazon Michel Bazon Zé Militaire n'aille. Ce qui Militaire n'aille qui recouvre automatiquement. Il n'y a jamais, s'il vous plaît. Il n'y a, il y a chef de l'État to beta na masolo oyo et koleka na kati ya République démocratique du Congo ezali ko sala bongo actualité na kati ya mboka na biso na bandi te lelo oyo to chité na dossier matata ponyo ba congolais ba ko y retenir nini na affaire matata ponyo na le président du Sénat Modeste Bahati Lukwebo. Bahati Lukwebo azana problème à ta mon côté na matata ponyo. Il n'a aucun problème. Il va avoir quel problème avec ce monsieur-là? Quel problème? Bahati Lukwebo n'a aucun problème avec Matata Mponyo. Matata Mponyo a tikala ko recouvrer ba immunité na ye te. Parce qu'au niveau enseignant, il y a Sénat,
il n'y a jamais eu ni une commission, ni une plénière où il statue sur Kaya Matata pour à recouvrir l'immunité. À moins qu'il y ait à brandir à ta. Au moins, maïe le mabe à Matata pour les awapi. Naba, ma kele le nyon soazo, azo salawana. A tangi à ta article mon côté, il y a règlement intérieur ou article la constitution. Où il y a loi Songolo Oyo, bah tu as violé. Qu'est-ce qu'il peut nous dire que dans sa manière de gérer, na le lengue Oyo, le président bah tu a kumbeli dossier na yena sena, a violé article ni ni règlement intérieur. Par rapport à les fameuses immunités Oyo Azolo Bawana, quelle disposition? Est-ce que na règlement intérieur et l'obami que ceux qui députés ou sénateurs élus Songolo à perdre l'immunité naïe parce que bah, les vakiango pour la commettre à la disposition de la justice et ceux qui bah, dossier à justice en sénité, il peut automatiquement comme ça qu'on retrouve bah, l'immunité naïe et le bami wapi. La salle qui va l'être na modeste batilukobo pour qu'à recouvrir bah, l'immunité naïe jusque là ils allaient négliger. Non mais alors ceux qui a comment qui l'être hein Kosenga bureau ya Sénat pour a zwa ba immunité naïe et que bureau ya Sénat et trouver que jusque là ma tata azana na problème na justice ma kambone incidité ye moko yebi ke bureau et personne me suite na lettre na yewana te mais comment ye ayebi yango malamu le lengo wana comment il peut commencer à penser que non azana déjà na ba immunité naïe. Et que réponse au président du Sénat a fait ça qui n'a procuré que Zalaki Mabé. Comment? Comment il peut réfléchir comme ça? Parce qu'il a écrit dans le bureau du Sénat. Bureau du Sénat et fait ses réponses. Le bureau du Sénat et il y a un dossier à Matata et c'est l'inan noté. Alors, n'imagine ni Oya recouvrer l'immunité. Voilà pourquoi réponse il y a président Bahati et Zalaki clair na Mokanda au procureur à Komaki. Donc, bureau à Sénat et Sangane le but, non, mais jusque-là, en tout cas, au niveau à Sénat, ma tête a retrouvé l'immunité. Donc, hasard à la disposition de la justice. Nabanzi était le lot où le Lincoln est opposé à crier acharnement, et que Salema, Nakati, Nabango, tout que Sangisa dossier, mon copé, est allé proche, na où tout que l'obéla le lot, et ma matata pogno, et puis Naba dossier où d'actualité, tout que l'obéla, mais tout bendinon, moi dossier, mon copé, est allé pene, Kokokana, est allé bongo, adresse. Il y a le président honoraire Joseph Kabila dans la nation où a annoncé qu'il y a et après directement adresse à tout le monde perquisition et colandama arrestation en cascade et colandama est-ce que le lot où le pouvoir en place et il y a une opposition à mon amboka bon je ne crois pas que le pouvoir résalie qu'il y a une opposition à moins que il y a obimisaba preuve au yozali kolaksa que pouvoir résoudre bang opposition voilà je ne crois pas ma perquisition et kosalema kaka et pa y bayi opposant et kolaksa et pouvoir bon il y a il y a combien d'opposants na katia mboka o webi nombre exact il y a ba opposants na katia mboka o kolo ba nombre exact il y a ba opposants mais ko kabula opposition parce que tu as dit ba opposition républicaine na ba ko sala opposition à résistance mon aboka bon opposition et oyozo benga est-ce que ko tangela nga ba combo il y a ba tu o ba sala ba opposition ni son ba wala ndenge parce que na tikala jamais koyoka classification wana ya ba ya opposition. Il y a des gens qui ont yango si mon pandi sango yo nazali bon donc tu savais que yo comme expert na opposition yango na catégorisé bango mais c'est pas le problème ça pour dire pour expertise na kati ya opposition tu dali mosala na nga tant que journaliste ya kozala informé mais na kotuna yo et mituna par rapport ya situation ko lekana kati ya opposition to yebiete pouvoir en place dali organisé par le chef de l'état wazali Félix Antoine Tshisekedi union sacrée na ba kasik union sacrée alors ba
bazali en dehors et union sacrée tout à fait bazali na kati opposition mon amboka alors na kati opposition et na bayi oyo ba kolela acharnement et ko salema et pai ya mokonza mboka oyo bango pe ba kolo ba ite mokonza mboka ko mema touche ya dictature na kati opposition mon amboka bon nayi na yebi que il y a une loi sur opposition na mboka oyo opposition te yebi que za opposition résistant tout ça je ne sais pas ce que ça veut dire naka oyo na éviter donc ceux qui okokai kotangela ngai nombre ya ba opposants ceux qui ont bango 100 000 ceux qui 50 ceux qui c'est pas moi 15 opposants et oyebisangai sur les 100 000 opposants wana ba perquisitionner bandaga combien d'opposants et ceux qui va perquisitionner 2-3 ndaku ya ba opposants. Mais pourquoi pas les 50 000 autres là? Pourquoi pas les 1000 autres là? Pour nous, nous avons visé la perquisition. Pourquoi ce seulement ce qui est dans la na physionomie, c'est comme on a été les loups. Na ko bimisela yo kaka ba oyo to bengi oto ko mona bongo ba leader oyo ba kosala poa na kati ya opposition lelo oyo perquisition eko kende lelo to moni chargeur ya sécurité ya Joseph Kabila président honoraire na maboko ya justice lelo oyo to kotanga Remo Tshibanda Emmanuel Chadari et Marie-Ange Mouchebekwa je suis sûr bazali 4 bakoki bongo oyo bazali lelo bakozela na maboko ya justice lelo oyo ba proche ya mona moka Joseph Kabila est-ce que lelo oyo to kobenga yango provocation te ko ka kosale mana bon est-ce que Mouchebekwa oyezo tanga wana ou bien monsieur sotangina Emmanuel Ramazani Chadari monsieur sotangina et Remo Tshibanda ba tuana onyo sotangwana ils sont plus opposants que Martin Fayulu na mboka oyo est-ce qu'ils sont plus opposants que Martin Fayulu est-ce que d'abord au niveau ya opinion oyo ils allaient se reconnaître en opposition. Batouana n'est plus crédible que Martin Fayulu. Batouana n'est plus populaire que Martin Fayulu. Batouana. Parce que Ngaï, en tout cas, de mon point de vue, aujourd'hui, s'il y a un opposant respectable dans ce pays, un vrai opposant, c'est Martin Fayulu. Un vrai opposant, Martin Fayulu, mais qui s'est dit en dehors, il y a processus électoral. Ils ont débat, Moussou. Si on a dit que c'est le Belango, il ne faut pas aller du Kokalan comme ça. Hein? Martin Foy, est-ce qu'aujourd'hui, ceux qui ont dit que c'est le parce que Katumbi a opposé, Katumbi a Rokabola Bila, il y a Fatih, il y a Félix Tshisekedi. Il y a Jérémy Natian Félix Tshisekedi. Le ministre a Katumbi, il a contribué à Bila Tshisekedi. Le mandataire a Katumbi, il a contribué à Bila Tshisekedi. Katumbi, c'était un opportuniste, tout simplement, Aza opposanté. Et vous avez vu, test Yamouke, moi test Yamouke, Yamarche. Il s'est fatigué avec Valana Katanga. Il a été, parce qu'il ne sait même pas ce que ça veut dire. Vous avez vu, donc, deux fois, Yapamba. Il a accueilli, on nous a promis, il a dit, chaque jeudi, devant, c'est lui, il a dit, c'est l'opposition de la blague, hein? Que ça l'opposition la blague mutu oyo aza na esprit ya opposition mutu oyo porter poids ya opposition c'est Martin Fayulu c'est pas tous les autres opportunistes là et moi ça me fait mal de voir que ba congolais on a vraiment une mémoire courte parce que si cette opposition là l'opinion qui se retrouve dans l'opposition là bazala qui vraiment elle était une opinion sérieuse en tout cas ils allaient porter leur choix sur Martin Fayulu pour être leur candidat, pour être leur joker. Parce qu'il a une histoire dans l'opposition. Il sait ce que ça veut dire. Et à un moment donné, tu sens que n'a pas pris de position naïe. Il n'est pas comme Batumusu Souana. Il n'est pas comme eux. Mais malheureusement, les Congolais se laissent un peu manipuler par les autres. Donc c'est pour dire que si jour où Koyoka qui est perquisitionné, n'a Martin Fayulu, ben ngana na plateau oyo, pour Koyoka m'amener na roi bisayo. Jour où Koyoka qui est perçu, qui ou bien ceux qui
ce qui va service, ce qui en air va tindi ba kende ko fuyé na ndako afayulu. Bengangai na plateau oyo to ya ko sa na émission. Donc il ne faut pas à la fois tomber na na politique ya batu mususu ba lingi ko se victimiser pour rien. Pour rien. Marie-Ange Mouchobe Kawana, yebisanga vraiment cette dame là. Yebena vraiment tayo moko. Kombo na c'est vrai kazaki journaliste, elle représente elle représente quoi? Elle est une menace en quoi pour le pouvoir de Tshisekedi, vraiment? C'est une dame que je respecte, c'est une autre concert. Oui, non, non, bon, elle a été invalidée, même si je n'étais pas d'accord avec l'injustice à Sibisaki. Même si je ne suis pas d'accord avec ça, parce que l'air Nalanda qui est tout ça, elle a présenté toutes les preuves que. Elle était vraiment en congé, l'Assemblée nationale est autorisée qui est pour Akende, qu'on soit. Donc, moi, je ne suis pas d'accord avec cette procédure-là, oh, ben, je ne suis pas d'accord avec ça. Mais elle ne peut pas quand même se faire passer pour. Ou bien, bah, tiens, la liste est comme si elle a commis des menaces contre la République. Non, est-ce que, quand est-ce même que, est-ce qu'ils allaient, bah, manière de pouvoir en place les lotés, pouvoir en place à combien d'opposition et à péter, péter. Mais il y a beaucoup de pouvoir en place à couper sa notoriété dans l'opposition. Opposition, oyo, yonangai, to yebi penza qu'ils aient opposition à péter. To yebi yango. Opposition, opposition. Ce qui dans un pays où bah opposant Bazali Penda, n'engue pas le bana qui baso sentir vaya dictature et zoya. Mais il faut tout le monde action à bango. Il faut que tout le monde action à bango. Bah mobiliser bato. Yo mona au moment de mobilisation il y a opposition voilà na kati ambo. Au moment où. Mais est-ce que les lots ils allaient parce que bah congolais et bah coller là parce que les lots congolais avant alia il faut abimakia luki azungi alié ceux qui allobi que alanda bah makambo et qu'ça les malélo oyo et qu'on perdre et bon on makambo les bandes les lots qu'on a collé à congolais bandes les lots depuis bah Étienne Tshisekedi bazala kawana makambo les ala kakati les gens qui affrontaient à Okutu bazan bien bazo kende naba manifestation bazo so ba réalité hein? Il faut quand même à un moment donné hein c'est dire que vraiment Tshisekedi azar différent naba makambo to connaître d'abord autre so, toi tu penses vraiment que ceux qui opposition ceux qui pouvoir ezala un pouvoir sanguinaire ya ko réprimer ba marche maintenant. Il y a un monde qui a fait la marche. Est-ce que vous avez un monde Étienne Tshisekedi a fait la marche? A fait la bombe lacrymogène? Vous avez un monde qui a fait la Tshisekedi a fait la faillule? Vous avez un monde qui a fait la faillule? Vous avez un policier? Mais on a vu Moïse Katumbi ah hein tout mon image a fallu à Kotinda batoba ba police. Donc ça veut dire quoi? C'est ça, c'était une bêtise, une erreur grave au fallu à Sanaki. Si on était vraiment na bamboka mususu fallu banga bakangai alors parce que loko a Sanaki wana hein et loko a Sanaki wana ya Kotinda batoba boma ba police parce que c'était ça le fait ya koloba que non bozo mabanga boba mabango. Mais ce bazu libanga ba bambio na mbunzo okokwe okufi. Ce bazu libanga ba bambio atana na kingwa okokufa. Donc ça vraiment et ça c'était une infraction au fallu la commettre. Et je n'ai jamais compris pourquoi balanda qui balandeli était pour na makambo wana. Mais esprit ya opposition ya ko telema ya ko ndima oyekoya fallu sana. C'est le seul na kati opposition wana pour azan esprit wana. Tous les autres là, ce sont des profitos situationnistes hein, qui viennent là parce qu'ils se disent ah ouais, je n'ai jamais été candidat à la présidentielle, n'a profité Pembala Oyo. Comment Bino Bokozala a signé un communiqué il y a le 29 mai. Bino Nyonso Bosangani Bolobi, allez, ma condition d'abissé en haut pour la Rokende na élection. 1. Réforme à Cour constitutionnelle. 2. Réforme à CENI. 3. Révision officielle électorale ou audit officiel électoral. Ça, c'est là, en tout cas, ma préalable n'abissona, ma préalable n'abisso, yangoana pour aller aux élections. Et Fayoulou Azongi, il dit,
il répète moko à la préalable wana alobi il faut qu'auditer fichier électoral atin kutu makambo ya ba cour constitutionnel na ba seni alobi il faut que nous ayons un fichier électoral crédible binobo bimbo non biso to kokende na fichier wana. Vous comprenez un peu, c'est ça, vous comprenez un peu. Mais ça. Est-ce que les lots ont été comprendre parce que les lots ont été en train de se faire en train de se faire en train de débriefer l'actualité que les Kanakats de la République démocratique du Congo. Les lots ont été opposition, pouvant en place et opposition à pété. Ils ont été en opposition, ils ont été en train de se mobiliser, mais ils ont été en volonté de bousculer et pouvoir en place. Mais les lots, est-ce que ils ont réalisé ce que la vraie opposition oyo et ko bangisa pouvoir remplacer l'église catholique. Bon, je ne sais pas ce qui est église catholique comme sous la opposition na ebita hein. Donc je ne crois pas que ata ambongo to monseigneur cardinal Donatien Chollet ce qui a yokio a loba ke olobi malamu parce que bango bazo se reconnaître dans l'opposition té. Bah, qu'on se reconnaît en opposition t'es aussi longtemps que et le nôtre commun a même le secrétaire et général il y a eu de PS à organiser causerie morale pour que à répondre à vos propos à du monseigneur Donatien Chollet. Est-ce que ils allaient combattre sa tête et blesser t'es? Cela ne veut pas dire que l'Église catholique à côté de la opposition a su a commis partie intégrante de l'opposition. Non. Parce que ce qui a dit dernière déclaration à Senko, vous avez vu que Senko a une logique. Il a une logique qui a été l'élection en décembre. Il a eu une réforme constitutionnelle, il a eu une audite ce qui est affiché électoral, il a eu une réforme. Mais il a fustigé les déclarations de Donatien Chollet et qu'il a eu une affiché électoral. Il a eu une affiché électoral, les animaux ont monté. Dans le Bible, ce qui a été communiqué à Senko, est-ce que je me fais bien comprendre? Tout à fait. Communiqué à Senko, déclaration à Senko. Il a eu une Senko a ça pour qu'il y ait élection en décembre. Senko a zongé les makambouya au cours constitutionnel, réforme au cours constitutionnel. Yasseni, biloko nyosona, Senko a ça qu'on a dit. Mais Senko a lingi, bah élection, et salema, bah élection crédible, transparente, au bacteur nyoso, bah qu'on participe. Donc, na ba position, bah déclaration, moussous ya ba opposant, na ba déclaration ya Senko, il y a vraiment une différence à Rosanganaté. Alors, ça c'est un fait. Mais au Tangi Awa, comme il y a secrétaire général à l'IDPS, Augustin Kabuya, mais c'est tout à fait normal. Na soki un parti au pouvoir comme celui-là et constaté que naba maloba mususu. Oyo ezala ki na kati ya déclaration à Senko ba maloba wana et se pelisi bango te, c'est tout à fait normal que va réagir contre yango. C'est tout à fait normal et c'est le cas aussi avec le président de la République yo moko oyebi parce que tant que l'église catholique c'est ezala un corps homogène. Église catholique ezala mutu moko te, église catholique ezala Donatien Chollet te, église catholique Eza cardinal Ambongote. Église catholique, Eza Fulgence Muteba, archevêque et Lubumbashite. Église catholique, Eza ba prêtre Nyonsoana, ba sangani, même les fidèles. C'est ça l'église catholique. Donc, mais Nakati, c'est ce qu'elle présente, c'est ce qu'il a dit. Nakati, l'église catholique, Nakati, l'église, il y a Batumosuso. Oyo, Balingi, n'est-ce pas même à l'église, et à la lissoussou, au milieu, il y a un village, et comment, dans mon panzi, il y a un village. Mais ce n'est pas Batunion, c'est l'église catholique. Il y a quelques personnes dans quatre églises catholiques, quoi, là, ceux qui ont senti rien, ceux qui ont eu qui a zo loba, en tout cas, tu peux te dire, mais est-ce que vraiment, Moutoyo, aza opposant, aza acteur politique, ou bien aza Moutounanzambe? Et ça, c'est un fait. Ça, c'est un fait. Il suffit de suivre le discours où il y a Batou Moussousou, Maman, Baba, Évêque Moussousou,
vous allez vous rendre compte que un président comme celui-là, s'il constate que il y a certaines brebis galeuses au sein de l'Église et qui mettent en mal la paix dans la société, il ne peut qu'interpeller cela. Mais il a dit, tu sais qu'il a dit aussi que le pouvoir est là pour collaborer avec l'Église catholique. Et que l'Église catholique est soutenir Batunyoso, est à la Sema Batunyoso, est à la tête que non, Bango Baponingambo Songolo. Non, donc Makambu Tshisekedi alobi yango wana asengi collaboration. Voilà les termes qu'il a utilisé. Collaboration entre pouvoir na église. Donc c'est ce que le président Tshisekedi a dit. Mais on ne peut pas prendre tous les évêques catholiques les mettre dans le même sac parce que Mutumoko alobaki likambo songolo to papala. Donc voilà. Aussi longtemps que Tolandi va dire il y a monseigneur Donatien Chou alobi était l'Église catholique et toujours na côté y a ba peuple au bazali opprimé côté y a ba démuni côté y a ba pauvre lelo oyo et le cardinal Ambongo alobi était population et ko coupir na kati ya misère population et ko coupir na kati ya passi aussi longtemps que les autorités ceux qui dirigent la République et le et la RDC la République démocratique du Congo bazali ko jouir na kati ya jouissance nakati ya vie ya luxe au détriment ya population congolaise. Alors les ba maloba wana ni balé lo lingi ka ni lelo oyo pouvoir en place et ko taxer l'église catholique. Monseigneur Donatien Chou la zungi ya lobi été l'église catholique a été toujours na côté ya opposition parce que na ba temps oyo ya fort ezala ki na régime passé, il était la première personne rokende tardivement et pas ya sphinx ya limité ko solona et ko zoma yele pour ko yeba lolengi ka bia ko sala. Mais lelo elo ko changer za nini parce que le pouvoir il ne pèse azu bo kondi église catholique est restée constante mon amboka lelo eko ba propos wana nyonso. Bon, au moni na ba période nyonso na histoire ya mboka oyo, il y a eu toujours un certain moment où certains évêques catholiques sont en contradiction avec les pouvoirs. Il y a eu toujours un certain moment où les évêques, même du temps de Kabila, Marcelin Otembi, les gens pensaient qu'il était avec Kabila. Nicolas Diomo, Marcelin Otembi, c'est l'archevêque qui a Kisangani. Nicolas Diomo, archevêque à Tchoumbe, na Lodjakuna. On pensait qu'il était avec Kabila. Et il n'était pas d'accord avec Makambu Oyo, cardinal Mosengo Abanda Kosala Awa. Aujourd'hui, c'est la même chose. Au sein de l'église catholique, tout le monde n'est pas d'accord avec Makambu Oyo, Donatien Chola Lobakawana, na to nani Makambu Mususu Ambonga Lobaka. Tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Parce que, est-ce qu'au moins, Moutouka Oyo, Nani, Donatien Chola Tamouanango, au moins, Moutouka Oyo, Ambonga Tamouanango, il a un gros cylindre, il y a chair, il y a lix, il y a lix. Oyo, il y a un autre. Donc, alors, jouissance, on comprend finalement la signification de la jouissance. Oyo, Tamouanango, il y a 100 000 dollars ou 150 000 dollars. Bon, et par la suite, tu te présentes comme étant quelqu'un qui défend la cause des pauvres, ben, finalement. Je ne comprends pas, je ne comprends pas. Au moins, il y a un temps où 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 il y a. Ils peuvent se dire, non, non, comme nous sommes à côté des pauvres, nous vendons à Kanabambola, nous vendons à Kanabango, place Moko, quand même, nous avons un temps où on a Jeep, il y a 6 cas, sachez 0 km, il y a 150 000 dollars. Mais le peuple a un temps où on a Makolo. Nous avons un temps où on a Makolo. Donc, il pouvait quand même, pour nous causer, nous avons un peuple où on a, qu'on se conforme à la condition de vie à peuple où on a. Mais il va vivre avec un luxe. Il va vivre avec un luxe et avec un luxe. Ce qu'on voit là, ils ont un maquillage. Mais en réalité, ils vivent très bien, ces gens-là. Donc, le fait de dire que Moutou a le pouvoir, un président de la République, par exemple. Bon, un président de la République a tous les moyens que l'État met à sa disposition.
Est-ce qu'un président de la République arrose à la pauvre? Expliquez, un président de la République arrose à la pauvre. Un président de la République arrose à la pauvre. Un président de la République arrose à la pauvre en avion. Un président de la République arrose à la pauvre en moutouka, n'a pas cortège, et ça a un amour. Bon, il y a moins de raisons de la justice. Je ne sais pas, hein? Je ne sais pas si c'est ça la justice ou quoi. Je ne sais pas. Donc, il y a moins, à un moment donné, nous devons aussi chercher à comprendre c'est quoi la justice, là, et ça vraiment miné. Hein? Parce qu'un président de la République, n'a pas mon canyon, c'est à les États-Unis, wana. Est-ce que vous avez dit un président des États-Unis, l'air assis de Saka, mandat à Mbongo à Zalarana, vous avez bien? Attends, il y a France, Tony, vous avez bien, bon, bah, 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 c'est un président de la République, un premier ministre, c'est un premier ministre. C'est un premier ministre. Donc, na moussara zo sala wana, na statut na ye wana, na rang social na ye wana, il a les avantages liés na statut na ye wana. Ata yo se ka mbonga komi lelo député. Bako bando ko futa ye nenge mokote na huissier. Non! Bako futa ye nenge mokote na fonctionnaire a sala ka na commune. Bako yo se ka nenge mokote na bamboka nyosa mokili ezala kandenge wana. Na bamboka nyosa mokili ezala kandenge wana. E loko oyo toko boya na mboka, ezali corruption, ezali ba détournement, wana nde toko boya yango. Mais si par exemple, un sénateur, sur base ya mbongo ba futakaye, a rosomba jip, a sangisi sangisi mbongo na yewana, a sombi jip a tamboli nango. Eza vina ye. Moussou a préféré na ya ke somba ba mapango atana kinkolo, a somba ngo ta, a bando a investir. Moussou a préféré atamo na bakar ya bien, a kosangisa mbongo ata ya salaire na ya 6 mois, 7 mois, a sombi moutouka. Si il est bien organisé. Donc, jouissance et sengeli, à un moment donné, si on parle de ça, qu'on donne un contenu. Parce que si tu peux ce contenu, sur base de contenu, tu peux savoir, en ce moment-là, tu peux se situer. Est-ce que ça, c'est la jouissance ou ce n'est pas la jouissance? Donc, c'est très important. Le discours du chef de l'État, est-ce que le Mukundi Mboka a bloqué la liberté d'expression, la liberté, il y a bayi politique ou ba komene na kati opposition te, est-ce que le discours du chef de l'État est une menace te na au sein ya bayi politique? Mais c'est pas une menace ngai ezo kamisanga ya komona ke mokonzi ya mboka azolo ba ke bana mboka oyo nyoso bako sangana na banguna ya Congo bako sangana na ba nyoso bazali kom menacer sûreté à l'État. Hein? Banguna na biso. Moutou Owana a causala, grosso modo, intraitable envers cet homme-là. Pourquoi est-ce que gêné Batou? Pourquoi est-ce que tombo qui s'abattou? Est-ce que yo ni kambane wana eko salopas? Yo 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 non présent zolo bake, moutou nyo so ako sangana na banguna yamboka na biso. Hier, quand la mutuana, et que ça le passe nani. Comment ba organisation, soi-disant ba organisation, monsieur a droit de l'homme. Président a lobby que mutuana ennemi na biso oyo, a ko sangana na ba ennemi na biso monsieur a libanda, pour na ko porter atteinte à la sécurité en boka na biso. Ngai na côté de Mutuana, yo komona ngoma bende. Est-ce que zalité parce que elelo oyo na ba grief ya Salomon Escadela to komona ba grief no so ezali wana oyo balobi ete coup d'état, port d'armes à feu, nyonso oyo atteinte ya sûreté de l'état na ngambu parce que akosolola na bandeko ya est parce que lelo oyo nyonso e kosali na kati ya République démocratique du Congo na kati ya mboka na biso to moni le kola ba bandeko na biso ya droit de l'homme, tout le monde, Jean-Claude Katende, ou alors été Félix Antoine Tshisekedi, a incarné si koyo dictature au vu et au su de tout le monde. Les lots où il y a des droits de l'homme, nous sommes en train de clair. Parce que, maloba, ou mon kondiambo kazui, na ton ou mon kondiambo kazui, na manière mon kondiambo, et comme on a clair que mon kondiambo a menacé la politique et la République démocratique. Non, a menacé la politique. A menacé Batou Oyo, Bazali Kosangana, na banguna na biso, pour na porter atteinte à la sûreté à Mboka na biso. Là, moi, je suis d'accord avec lui.
na ebite soki yo lelo oyo okuyo kanana Sultani Makenga oyo aza kote ya M23 ski yo kosangana naye okosolwa naye okosolwa naye nini comment yo kozala obosolaga na mutandenge wana botina ba, ba message bato bazo ekipe mboka na biso comment yo lelo kozala en contact permanent na c'est un exemple que je donne hein yo kozala en contact permanent na commandant oyo azali ko dir command officier militaire rwandais oyo azali ko diriger M23 M23 oyo azali ko bomba batu ba massacre ya Kalehe tout ça yo kozala na batu wana en contact chaque jour bosolaka nini mwana mboka Charles comment mwana mboka Charles donc soki oza mutu ya ndenge wana hein oyo ozo collaborer na banguna na biso Namboka nini oyo bakotika yo kimia namboka nini na Rwanda na Angola na Congo Brazzaville namboka nini bakotika yo kimia tena mwana mboka Charles Keo za la journaliste parlementaire et pa yopi to mona ba député belé bazali na hémicycle ba yiba député o bauta na ba RCD mwana mboka et pa yopi to yebi ndeko oyo mwanga chuchu azali pe honorable lelo oyo mwanga chuchu o azali otokuluba pion pe espion monene pe patron ya batu ebele oyo bakosalema na na kati ya ya monde politique tango mwana mboka le président boswa koloba na bayi honorable ke bo kite ba groupes armés donc ezali na ba bayi politique oyo pe bazali permanent en contact na bande ko na biso ya ya M23 lelo oyo na kati ya ya mboka na biso est-ce que tu peux espérer que le balon to basculer bala moko na na thématique ya sécurité est-ce que tu peux espérer na paix na partie est ya mboka na biso non mais paix ezali souhait ya congolais nyonso pour kimia ezonga na mboka na partie wana ya mboka na biso malheureusement na kati na biso eza na ba oyo balingi situation na se pérenniser pour que bazwa ba utiliser yango comme un discours pour bato balinga bango ba pona bango ba remplacer ce que il n'a pouvoir oyebi biso to bando kanisa ke Kabila mutu azalaki vraiment à la base ya insécurité ya est ya Congo en tout cas na lobaka yango chaque fois on croyait que ce qui Kabila longwe comme c'était lui qui était à la base de cette situation là makambo ekobonga si Félix ce que dit oza na pouvoir lelo IDPS ba opposa nyoso mzuswana ba banda ko akise Kabila que c'est Kabila qui était à la base de la situation wana mais lelo oyo l'ère Kabila longwe na pouvoir on a compris que à la fois ezana ba erreur oyo Kabila commettant oyo salaté situation wana ezala fragile situation wana ezala ndenge ezali lelo ekobota ba face ya ndenge na ndenge alors mais tango Kabila alongwe na pouvoir est-ce que biso en tant que ba congolais nous pouvons vraiment sérieusement commencer continuer à dire que non ce qui situation les continuer boy bazomo abatu donc c'est Tshisekedi qui est à la base de ça vraiment nous devons quand même avoir une mémoire en tant que peuple nous devons quand même tirer des leçons est-ce que vraiment on peut être sérieux et dire que ce qui le lot Paul Kagame a sa la déclaration dernièrement na Bénin où ya lobaka ki les problèmes de l'Est, ce n'est pas ni Kabila, ni Tshisekedi. Problème naye eza Mabele. Kagame a loba yango clairement. Mabele wa ko récupérer. Mabele ya Est wana ezalaki selon ye, Mabele wana ça faisait partie du Rwanda. Donc aussi longtemps que likamba Mabele kozala régler te ya kozonga simate. Kagame a été clair. Très clair là-dessus. Est-ce que après une telle déclaration, vraiment, nous pouvons Namboka continuer à dire non, non, c'est Kabila qui était à la base, non, c'est Tshisekedi qui est à la base, oh, c'est parce qu'il y a une négociation. Donc,
tous ceux qui m'ont regardé là-bas, zoba, moi quoi, à un certain moment. Tous ceux qui m'ont regardé là-bas, zoba. Alors, situation oyo est durée et perdurée même dans les Koloba, na partie est en Boka, na biso lelo oyo et mon Boka Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, na tête ya la magistrature suprême ya Boka. A commené banquette, a commené ba diplomatie agissante, nyonso wana pour nakuluka ko ramené pe na kati ya parti est ya mboka na biso lelo to moni EAC oyo na parti mbo ya est ya mboka na biso a ko sala et le côté to moni EAC a ko yamba na isusu na ba rebelle ba to zalaki ko zela et peut-être ba mo ba ko porter et solution lelo to ko zela SADC mais SADC yango pe lelo oyo et on ne peut pas le pipo sur les solutions qui sont bakoyate parce que bah d'ailleurs annoncé les 15 la prochaine les 15 jusqu'à le 20 mais les autres les 27 solutions ils ont banalité la partie est et bokanabiso. Quels sont les mécanismes menés pour que les loyaux qui mia ils ont dans la partie est et bokanabiso? Bon et donc les bosso pour qui mia ils ont na est et bokanabiso et Sengeli d'abord to comme na arme oyo ekobangisa Rwanda Uganda na bamboka mususu na lobi kobangisa parce que ceux qui te donnent arme oyo ekobangisa nanu bamboka wana je ne vois pas comment Kagame a cause de courage ya kokotinda basoda sur les territoires congolais pour baya ko occuper ba mboka o badali ko occuper wana. Je ne vois pas comment Museveni a rose courage ya ko tinda ba soda na ye pour baya ko occuper ba mboka pe ko continuer ba ngomi balé ko continuer ko exploiter ba richesse na biso. Donc solution na biso ya makasi ya solution durable na biso ezali ko zarana arme ya makasi oyo ekobangisa tous les bavazé na biso aussi longtemps que tokozala kana arme ya makasi te ba voisin na biso ba ko continuer ko sakana na biso nenge ba sakana na biso wana lilo to kikolo ba ete Jean-Pierre Bemba zala ki bongo entendu na part na kati ya ministère de la défense jusque là tokomona ba avancer tout va avancer zalité na kati ya manière de faire ya mona mboka Jean-Pierre Bemana au sein du ministère de la défense. Bon, jusque là je pense que c'est encore très tôt ya obanda ko sala ba bilan tout ça tout ce que la bangona no ta ba sa no mosala et on aura le temps ya ko yeba si ils ont échoué ou pas, mais c'est vraiment très tôt de commencer à donner des cartons rouge, jaune, vert tout ce que nous tant au temps, et il y aura le moment où on pourra dire qui a fait quoi na mosala oyo abandai ko sala. Nabanziete, il nous reste peut-être plus ou moins cinq mois pour que mandat chef de l'État et si là oyemoka jira qui est à kozala kimia na motema pe a kozala honoré na kati ya République démocratique du Congo étant que chef de l'État soki kimia ezongi na parti est ya mboka na biso, mais jusque là kimia ekozonga na noté. Mais à continuer à se sentir mal à l'aise, denga lobaki. Comment à se sentir na kimete? À se sentir na kimete, c'est clair. Donc ceux qui bisognent ce oyo, to yoka bien te, to dalaka nesengote ya komona situation wana. Comment à comme plus forte raison yé mutu oyo aza la tête ya mboka donc aza na kimete, c'est clair na bandi de to kushite na biso mo na mboka Charles Quint na kotuna yo mituna mibale pour que to chite mutuna liboso le 20 décembre 2023 to kozala en alternance to kozala en deuxième mandat. Bon, moi je pense que congolais nde mutu a ko décider sur nani oyo a ko renouvelé confiance. Donc je peux émettre un point de vue ya olobake, j'aimerais que mon tel a gagné, mais c'est les Congolais qui vont décider si qui ba ko lina ko renouvelé confiance na bango na Tshisekedi to ko pona mutu mususu ba Congolais ne mutu ba ko décider.
Voilà. Lelo oyo motuna ya suka. Tokoloba ete gouvernement sama 1 sama 2 lelo tozali na yango gouvernement sama 2. Oyo kokoma vert fin à mandat. Lelo oyo y permettre ba congolais ba vivre malamu na mboka na bango. Bon, question zotuna wana, c'est une question très vaste. Parce que pour répondre à cette question, il faut que des secteurs par secteur. Secteur, il y a enseignement, par exemple, ni netamboli, ni netambolité. Secteur, il y a sécurité, ni netamboli, ni netambolité. Secteur, il y a social, ni netamboli, ni netamboli. Secteur, songo. Donc, c'est vraiment une question où un homme sérieux ne peut pas répondre ça comme ça. Donc, nous devons aller avec des chiffres à l'appui, hein, sur base des faits vérifiables et vérifiés, pour donner une réponse rationnelle à cette question. Donc, voilà un peu ce que moi je veux dire. Je vais vous dire que mais je vais souffler toujours, je vais souffler. Et il y a une question qui est très pertinente à Koutouna. Il y a une union sacrée, tout le monde n'est pas wapi. Bande ko basusu ba ina kati nyo sacré bande ko basusu ba ko jouer double jeu ba dessous des cartes ezali mon amboka F Bazali Bazali secrétaire ya MLC parti à Jean-Pierre Bemba alobi ete union sacré ko porté et candidat président naye MLC pe ezali na candidat président o ya ko porté et ya mibale alobi ete ba pona mi selema ki na 2018 Bango étant que na lamuka bazali kozela et ba mona Martin Fayulu président de la République mais complot et kosale ma été Martin Fayulu abimité selon ba tante na bango bazela ki Martin Fayulu lelo oyo est-ce que ba susu ba ina kati union sacrée ba ko jouer double jeté na kati union bon na landa ki une partie il y a interview wana tout à fait mais na deuxième question na yo wana en tout cas côté wana landa ki amote voilà. Il y a une partie tango abanda ko répondre par rapport à la candidature, il y a Tshisekedi. Tout à fait. Mais elle était claire là-dessus. Parti, bah parti politique union sacrée, même Oyo ezali na kati ya union sacrée wana. Des partis politiques organisés sérieux, bah candidature na bango na élection par exemple présidentielle. Ba décida quand même na congrès na bango. Hein? Il a la carte à congrès. Le président du parti peut faire une déclaration, mais il faut que déclaration na yona ait à cause la paix avaliser na carte à congrès. Donc un membre d'un parti politique peut faire une déclaration, mais comme c'est le congrès, ils a organe où ils a le colo ya ba ni ni ba organe sous na carte à parti. Ne le dire bawa ko vanda balobi oui candidat de candidat biso na élection par exemple présidentielle de mutu songolo donc je pense que na maramba lobi il y a rien à polémiquer là-dessus tu es bien très bien que Jean-Pierre Bemba a signé charte ya union sacrée azakutunda parmi ba membre ya présidium ya union sacrée na kati ya charte ya union sacrée les bangonyon so basangani wana pour soutenir candidature à Tshisekedi na élection présidentielle au Tozalango. C'est connu de tous. Donc, ce qui est basé par le Bindengwana, c'est tout à fait normal que, malgré Oyobemba Lobiwana, mais MLC, tant que Bako Sangana, Bako Yako sa déclaration, Oyoko Kende, selon Ndengengana Yebeli Makambu, na sens ya déclaration au Jean-Pierre Bemba Sali. Parce que vous avez suivi F. Bazaïb. Elle l'a dit comment elle est fidèle à Bemba depuis Babanda. Donc aujourd'hui, je ne vois pas pourquoi on peut polémiquer là-dessus. Il n'y a rien là-bas. C'est connu de tous que Bemba a soutenu la candidature à Tshisekedi. Ça sera la même chose avec F. Bazaïba et tous les autres membres du MLC. Ils vont soutenir la candidature de Tshisekedi. Donc, il n'y a rien à polémiquer là-dessus. Na banzi ete ba landino sur Congo Live Télévision bazoki di baku ya kolanda na mokolo mwalelo oto ko chité na biso message na yo ya suka ezali nini face à la caméra na ba landino na ba congolais nyoso
naba diaspora nyonso naba onyonso balanda ki bazwi libako kolanda mona mboka Charleke na mokolo molelo bon message na eloko oyo ngana ko yebisa bana mboka eza que nous pouvons avoir des divergences entre nous, c'est tout à fait normal, mais nous ne pouvons pas nous associer aux ennemis de notre pays pour détruire notre pays. Ça, en tout cas, nous ne pouvons pas nous permettre cela. Parce que les régimes, les acteurs politiques, ils vont passer un jour. Mais les Congolais vont rester, les Congos, pardon, vont rester. Donc nous devons aimer notre pays, la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi, Bissonnyonso, il faut tout aimer là. Ndenge président Tshisekedi alobi, ezala ba respecter procédure na justice te. Ezala ba violer droit ya moto wana. Ennemi ya mboka oya kesangana na Uganda, Rwanda pona ko déstabiliser biso, tokoki jamais ko soutenir ye sous prétexte ya respect songolo pakala ya droit de l'homme. Babilo ko wana ezali na valeur te liboso ya sûreté ya l'état. Liboso ya intégrité territoriale ya République démocratique du Congo. Voilà pourquoi je pense que Makambu Tshisekedi aloba ki na Mbujimayi aza totalement na raison ba tu nyonso oyo bazali ko se ligue na ba banguna na biso pona ko boma biso po lelo mboka na biso ezala la risée de tout le monde ba tu wana esengeli to telemela bango. Voilà, na banzi ete et message na yo e komi e pa ba kongomani nyonso na ko pesa yo matondo mingi na ndenge ondima ki invitation na biso na Congo Live Television et ba porte ya Congo Live Television ezali ya kofungwa mapo na koyamba yo a chaque fois besoin e ko s'annoncer na bandi ete matondo mingi elongo na équipe technique Momba totombele matondo mingi. Merci. Et matondo mingi na ba téléspectateurs nyonso ya Congo Live Television na ndenge boko sala biso confiance toujours na coupé sa biso ya bino matoi pe miso na bino ya kolanda biso mokolo na ba analyse nyonso pe na ba émission nyonso toko sala na esika oyo na ba invité lolenge kan toko partager kana bino na bandi ete ezali esengo mingi na confiance bino boko pesa biso biso pe tozungi sel bino ascenseur ya koloba na bino merci mingi et bo continuer toujours na kozala fidèle na Congo Live Television na ina bino tokutana miko ezali koya. We'll be right back.